Contribuable qui dernièrement écrit aux impôts. Cher monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la troisième fois, vous me réclamez l'argent que je vous dois. Sachez tout d'abord que je ne conteste pas cette dette et que j'ai l'intention de vous rembourser aussitôt que possible. Mais d'autre part, je vous signale que j'ai encore beaucoup d'autres créanciers, tout aussi honorables que vous, et que je souhaite rembourser aussi. C'est pourquoi, chaque mois, je mets tous les noms de mes créanciers dans un chapeau et en tire un au hasard que je m'empresse de rembourser. J'ose espérer que votre nom sortira bientôt. Entre-temps, je vous prie d'agréer, monsieur l'assurance, de mes sentiments distingués. PS, votre dernière lettre étant rédigée de manière fort peu courtoise, j'ai le regret de vous faire savoir que vous ne participerez pas au prochain tirage. Service plus, monsieur. Lecture du courrier à domicile. Alors voilà, monsieur, je vais vous lire votre lettre. C'est un petit peu le principe de service plus, hein. Hein, c'est-à-dire que nous, on est là, on vous lit le courrier, il repart au dépôt, les fautes sont corrigées, puis comme ça, vous recevez le courrier à bonnet du forme, hein. Je peux ? Où vas-tu faire un peu de ménage? Bah, c'est mon anniversaire! Oh, youhou! Pom-t-pom-t-pom-pom-t-pom-pom-t-pom-pom-pom-pom. Thank you.
chaise. Eh bien, ça suffit, monte là-dessus. Les assurances me gonflent, les banques me gonflent. Je trouve indécent que les banques travaillent avec mon argent et qu'en plus on baisse le taux du livret A. Tiens, c'est comme ce connard d'écureuil qui se m'a parlé. Ou notre pétasse de cerise. Ou maintenant, monsieur Jean Rochefort qui fait Ah, me guise, me guise. Ou notre abruti qui te dit Je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais non, mais j'ai pas eu mon bac, ça me donne pas le droit de me juger. Même faut tuer les mecs déguisés en brocoli ou en géant vert dans les supermarchés. Faire disparaître l'animatrice qui est en tête de gondole, te fait goûter son pâté ou son mousseux à 9h du mat, je hais tous ces rayons qui débordent de marchandises. Et quand t'arrives dans un rayon, un supermarché, pour choisir un petit paquet de bouchoirs en papier, que t'arrives à la caisse, le code-barre ne marche pas. Je hais les code-barres. Et c'est pour ça que je fais quand t'as qu'on est supprimé tous ces petits métiers à la con qui servent à rien, je sais pas, les poissonneurs, les poissons. Mais y'a plus d'acteurs, y'a que des chanteurs qui font l'acteur, des acteurs qui font les chanteurs, des sportifs qui font de la pub pour des bars chocolatés. Même Nathalie Baye, elle m'a déçu, hein. Mais y'a trop de cons sur Terre, tiens. Pourquoi on a toujours honte? Pourquoi on culpabilise toujours? Mais je hais les forts comme je hais aussi les. Alors quoi, on devrait toujours tout faire par soi-même, c'est ça? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Peut-être bien, mais c'est fatigant, c'est usant. Je suis crevé, moi. Et qu'on arrête de me dire, oh, c'est fou comme on a le choix. Mais non, on n'a pas les vrais choix. C'est à l'heure, c'est pour nous endormir. Ah, j'en ai pas les pilules pour dormir. Pour baiser plus souvent, pour garder une belle peau, pour contrôler mon système pileux, pour compléter mes sels minéraux. Elle passe plus, la pilule. Elle me reste là, au travers de la gorge. J'ai les gros sur la patate, j'ai les foies, j'ai les boules, j'ai les glandes. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie de m'entendre dire, tiens, il est borderline ou à out. Mais non, j'ai pas envie de dire que je suis pour boire du gouffre sur le fil du rasoir, prêt à exploser. À exploser. Ouais.